atteint dans le territoire des remparts qui perd devant base. Cournoyer. Amaratesta sur l'aile gauche. Filion tente de quitter sa zone, intercepté par Mathieu. Dans le territoire des remparts, les Saguenayens menacent. Fortin la passe devant et le but. André Lushko loge le disque derrière William Rousseau. Les remparts ont été incapables de quitter leur territoire sur l'aile gauche. Résultat, les Saguenayens créent l'égalité une deuxième fois dans le match. Mauvaise sortie de zone. Ça a été nonchalant sur l'aile gauche sur cette séquence. Et 23 secondes après le but de Bolduc, c'est Andrei Lushko qui crée l'égalité. Une belle passe de Fabrice Fortin sur cette séquence. Et les remparts n'ont pas été capables de quitter leur zone sur l'aile droite. Le défenseur Mathieu a gardé la rondelle. Territoire des remparts intercepté par Cournoyer. Base, passe coupée par Séguin. Dans le territoire des remparts, la montée est belle. Marc-Antoine Séguin sur sa gauche. Lushko le tire, le but. André Lushko loge le disque par-dessus l'épaule droite de William Rousseau. Et les Saguenayens prennent les devants une première fois dans le match. C'est 3-2. Cette fois, c'est au centre que ça s'est passé. Le revirement permet aux Saguenayens de reprendre le disque et de s'amener vers le territoire des remparts avec 40,4 secondes à jouer. En première, Chicoutimi prend les devants une première fois. Le Bélarus André Lushko avec son deuxième du match, un tir précis par-dessus l'épaule droite du gardien Rousseau. Roy qui tente de saisir, voilà qu'il va le faire à la droite du filet. Roy passe transversale coupé par Lushko. Lushko pousse devant lui, s'avance vers une cage abandonnée. Il va compléter son tour du chapeau, peut-être pas. Bolduc l'empêche de tirer, on confirme que c'est un but.